Bon, le coup là, il y a na, na tambona king. Donc on a une relation de famille. Le tribunal a quoi entendre à titre de renseignant. Hein? Donc, moi je vais attendre à titre de témoin exacté. À titre de témoin, il faut prêter serment. Est-ce que Moukolo ya le 17 août 2024, vous allez qui n'andap? Ngai chaque jour na teka kanazantu. Ces derniers temps, dans Nazaï n'andap côté. Bah événement on attend les gars qui osent aller quitter. T événement tant on est qui n'azala qui. Mais na journée wana journée mobimba n'azala quitter. Pour la kenda zantu. Tribunal ngai ba tant on va événement na l'équipe. Est-ce que osala qui? N'azala qui. Maintenant, vous êtes solo. Na utaka na salara na teka bilamba. Na utaki zandu chaque jour sur une abimi zandu. Po boss na biso azana quartier, na quartier place tokole li biso nyonso. Menga na sina longwa kuna na zara susu na nini na jalote. Mais à chaque fois ceux qui na yé pas boss pour na sala rapport na kutanaka na king et na batu mususu o ya famille. Mais King aza muto otokuta na kanaye presque chaque jour. Ko utananga zandu ba disila na kotia mbeli. Wana nani play boy azwe bisa King. Ngana ABC na lobby. King pourquoi na pekisaka okola kola na makamu na ete ya lobane ka bongo evide na kei ya avenir malukusa ko. Po de ato solai na epe ifalato dezagi samedi kan dezalaka nan de koto fandaka de passer mon bâton afin que la zone n'a pas d'un côté manangaï n'a point ya malougou qui a côté qui a tia maï pour ce coup là comme ça tobim a tia cantine à pompe côté a tia cantine à pompe wana donc moutou mobota s'attendait qui attaque non actuellement côté qu'on s'est cassé moutou mobota bande qu'on s'est imaginé. King a terminé la porte, il y a entré, il y a Maluku. Playboy a été mbeli. King a dit qu'il dit. Pour ceux qui ont dit que King a dit un masque le katanga. Donc, Playboy a encore BTT pour lui. King a dit qu'il dit. A terminé à Taliban la balle. Déplacé, a joué mbeli, a joué King mbeli. Donc, c'est un peu ça. Tant que Bissot au monde. Bissot a terminé la pointe. Youssouf pas à la qui. Vous avez la carte à l'opango. Tu as la carte à l'opango. Tu as l'opango, on a besoin d'enregistrer dans le coin. Dans le coin à venir. Ma camarade, c'est la maki. Ils ont la carte à l'opango. Quand la porte est entrée à portail, portail est à la cour. Tu es entré à la cour vite. Donc, tant que tu as. Et de sauter. Et ça, il y a une émotion. Dans le coin, tu es là. Tu es là. Tu es là. Dans le dispensaire. Donc King déjà azakine déjà au coup. Donc tout temps bon ambition à King azakine se sont invités. Pour Popta et Zalaki vraiment mené dans le niveau Kingo. Non la bande go beta mon ngali coup. King a beti mutu tel coup, King a telé maki sans défense. Et c'est passé sans défense. King a telé mi. Donc a attaquer dans le bande. Donc Nandenga Sima. King a tell me boy, yeah, yeah, Nandenga Sima. Ne, a got this aki, Nini, Belina Kimo. Yeah, Mobo, Tanga Jim Beluana, Abadio Cotan and Lupang, but we saw the Epena Catal Pong and Abadio Menace, T, Akia Cotin and Dagunabang. Bisoto, rapidity to Zuking to get a dispenser, to get a dispenser, a big can and bisote. If I like his cocos or moto, Poak in the Gotika, do Popo, Mutumopa Matamoto, back in Yena. Qui est quelque part pour ne pas soigner. Ils ont déjà tout le temps. Ok. Tambo, vous qui Macambo Alpha Lobby, réaction à vos amis, deux minutes. Quoi, c'est la maille R Nini. Pour R Yazolo Babongo, pour gagner la Bimi. R à la Bimi, Béking à la Ninga, pour un enfant dans la porte à Saint-Lan. Vous ne pouvez pas défendre. Pas compliqué, compliqué pour le raison, chef. Il bateau peut battre ni ma combo. Il faut pas le bateau à Zalaïta Kenda Moussala. C'est l'autre à Béni. Ça va.
Merci. Maître, vous allez bien? Anayoki, répondez. Oh, on a un lobby, dans le lobby, on a un thé qui est dans le Qatar. Dans le lobby, il y a un Qatar thé. Demandez que son Qatar est un Kala. Parce que ces derniers temps, boutique, oh, on a un Zala qui gérant, ils ont Awa. Il y a une défense, c'est ça que. Ernini, précise, bah, Ernini, qui a fait que. Il y a M. Tamboué, à son menacé, le mal. Qui a fait que tu as fait que tu as fait que tu as fait Tant on a la bimisa de donc, bah 16h30. 16h30. Bah 16h30. Okay. Moi, derrière la commune, derrière la chaîne. Ok. Merci beaucoup, monsieur le président. Une petite question de précision. Monsieur Rodriguez vous précise qu'il n'était pas dans la parcelle. Il serait au coin. Il était au coin quelque part. Il confirme que Tamboué a agressé monsieur King. De derrière. Avec combien d'yeux il fonctionne pour en même temps être au coin et être en même temps sur les lieux là où Tamboué est venu par les derrière pour poignarder M. King. Donc, question de faire, c'est une parce que le lobby que vous m'avez dit, c'est une gaïbe. Ma campagne, c'est la qui m'a dit que c'est une gaïbe. Ma campagne, c'est la maquille qui m'a dit que c'est une gaïbe. Polibanda ou pas. Et salami n'a 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 pas. Ok. Autre question? Plus de questions. Donc suspendu et reprise. Rodriguez, qu'est-ce que vous avez comment vous avez Rodriguez Abona Malaisie. Abona Malaisie. Vous allez congolais. Vous avez la carte d'identité, voilà. Qu'est-ce que vous avez fait rapidement votre identité King bêtise, King a tindi King a.
Na koti pona bima na ya la police pona ndoli ngana li ya la bilo kwa wabi
Est-ce que la police est à côté de la Hémorragie est la qui si que Makila est belé bande comme ma nanzoto naye. Nanzoto naye. Pour na yo, Makila wana e outi na nini. Sonoe bande. Peur a glissé. A glissé qui na misu na yo. Ou taille ko ebise biso ke a glissé. A telemi. Ouais. A tikali na porte yo koti na lopang. Est-ce qu'on mona ki Makila e bande comme ma nanzoto naye. Peur a telemi à la net na tchèpe na kati. Je ne sais pas si je suis en train de faire des choses. Je ne sais pas si je suis en train de faire des choses. Est-ce que tu es en porte de faire des choses? Je ne sais pas si je suis en train de faire des choses. Combien de temps pour que tu es en train de faire des choses? Il s'est 30 minutes. 20 ou 30 minutes. Pour que tu es en train de faire des choses, c'est 20 ou 30 minutes. Na 20 minutes wana ako koza la zokaki wapi akendeko bunda na mutu mususu jamais na ebite soki akoyaki atutani na siana fona mapena na te era munya telemi mapena koti po aya koya telemi mapena mona koti est ce que madame so menacing tango bozobi mana la police na lopango na bibi est ce que monaki makila na se jamais makile za monaki makila na se ouais selon yo sikoyo a Koufaki, Nikolo ya Makila et Beleo ya Bungisaki. C'est non yo. Potawana et Otakwapi. On a habité. On a habité. Oui, on a habité. Si vous battez moi, Malobi, yo, mon tout, au Tchoubaki et Mbeli. Jamais. Moi, j'ai un Mbeli, t'es dans la Béki, bon, j'ai un Mbeli. Est-ce que Mbeli, est-ce que Mbeloana Kinga, à Swana Kina, mon tout, soit pari yo? On a habité à la vie de Godata Mbora. On a habité. Koswana na Bino et Bandari Baeri. Oui, sur R, dans la zone, on a presque. Éclairage ça va 16h 15h30 à 16h mais quand il y a OPG là qui sait que na kambongo et ça la route 17h n'attend au yé a comment comme c'est wana te à lobby hein makambo et salamaki aux environs de 17h 17h à 18h donc que soit na tongo tongo mazala été Tongo za la kite mobima jo. Mobima ki na bayeri ni manda. Na bimayi e samedi na manda. Na la na fi. E pa wali sa. Vendredi, chaque vendredi. Na la na fi to fe fe po tudi ba fa na ki chaque vendredi. Na la na fi na la sa. So na ke ki sa ce que na imsa mutu na ke ki. Jamais vendredi ti na so na. Na kute na kamana te ka bilokos. Na bete bon mama. Aux environs
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais faire une petite observation par rapport à cette réponse-là. Parce que ça corrobore avec la déposition d'un Tambo qui dit qu'il y a eu des altercations entre lui et King. Et ces altercations-là ont amené à ce que King retombe par le derrière et se cogne la tête au béton, comme il a dit tout à l'heure. J'avais une petite question. Je donne le micro au confrère s'il a des questions à ajouter. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Distingués membres de la composition, messieurs le garde de la loi, les renseignants vous ont dit qu'au moment où le sang a commencé à saigner, lui n'était pas là et qu'il aurait été appelé Boya, 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 Boya. Alors, s'il peut nous dire ou dire à votre auguste tribunal quels sont les gens qui ont vécu exactement les faits pour qu'au besoin, on les invite à venir déposer par des verbes. Non, maître, lui c'est un renseignant. Il vous a dit l'après-midi que lors de l'incident pour Mandy, il n'était pas là. Il est revenu plus après, lorsqu'il y a eu des bruits. Pour acheminer M. King à l'hôpital. Merci. Il a été très clair là-dessus. Merci beaucoup. Le renseignant peut-il nous dire d'où il a tiré la version que M. Tamboué a poignardé M. King avec le couteau? Attendez. Il faut quand même poser des questions. M. le Président, cette question-là est. Reprenez la question. J'ai dit ceci. Parce qu'il nous a confirmé ici que M. King avait reçu un couteau. Le couteau qui, jusque-là, n'est pas visible et personne ne l'a vu. Votre question, maître. Oui, voilà, je voulais finir par là. Est-ce que, d'où il a tiré la précision, la confirmation que M. Tamboué a administré un coup de couteau au cou de M. King? Rodriguez, on a dit mon tour, non? Hein? On a dit. Oyebaki na ndenge nini yo oyebaki ke tambwende mutu a tubaki King Beli na Mkingo. Journée on a mobi mabazaki ndeon na ezaki balaki bango mibale ya ba norme na se ki akuguma ye. Aba norme na se ki. Nous répondons à la question tout de suite. Ndenge nini yo oyebi ke King tambwende a tubaki King Beli na Kingo. Maman na bango. Nda bande ko confirmer a tubi mu na mbé. Tout est censé maman na bango. Maman na bango. Je réponds à moi. Maman na bango na bato pa mu nyoso. Je crois que c'est fini. Il y a fini. D'autres questions maître. Non, c'est fini mais j'ai une petite observation. Non, gardez les observations pour tout à l'heure maître. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Je vais amener le tribunal dans une distraction tout en insistant sur l'usage du couteau. Et pourtant, pour nous,
le fait que nous avons et le fait que nous puissions nous référer par les parents ne nécessite pas qu'il y ait nécessairement usage du couteau. Nous voulons que votre tribunal puisse nous recadrer. Nous avons le fait qui ont été donnés clairement par le prévenu lui-même. Le débat que votre tribunal peut recadrer, c'est de revenir sur les dépositions du prévenu à la question numéro 7 devant l'OPJ et la version qu'il a confirmée par devant nous, puisqu'il a décrit lui-même la scène du crime. Et de là, nous pensons que nous pouvons évoluer si votre tribunal peut nous ramener à la déposition du prévenu devant l'OPJ, la question numéro 7, puisque le prévenu a précisé qu'il aurait lui-même administré un coup à la victime et que c'est à la chute de ce coup-là que la victime s'était écroulée. Alors, s'il n'y a plus de questions, partie civile, vous avez des questions? On peut poser à qui? C'est le procureur. Nous avons tous suivi les débats avec intérêt. Nous avons toute une série de questions à poser au prévenu. Ma première question est celle de savoir si le prévenu peut-il confirmer devant votre tribunal toutes les dépositions qu'il a eu à faire devant l'OPJ ou devant le ministère public et bel et bien c'est lui qui l'avait fait. Une question a déjà été posée. Peut-il confirmer qu'il a dit que le King avait glissé? Il peut nous situer, il avait glissé à l'intérieur de la maison ou dans la parcelle pour avoir un éclaircissement plus précis. Pourquoi nous sommes dans le bas, chef? A tout ce qui a glissé qui n'a pas de salpon au Liban. A glissé un Liban à Koué. Liban. Liban. Et nous donner la raison de leur dispute qui était passée le 17 août 2024 le matin. Et qu'est-ce que le prévenu avait promis à la victime? Répondu. Donc, s'il n'y a pas de nouvelles questions, je pense que vous avez éclairé un peu évolué. Hein. Oui. Oui, votre honneur, nous avons encore une question. Il y a un fait qui s'était passé, qui s'est passé plutôt devant tous les témoins, les prévenus et toute personne qui ont vécu le fait qui était passé. Presque la majorité, ils ont confirmé que le prévenu Cédric a bel et bien prémédité la mort qui s'est cristallisée le jour du 17 août 2024. Alors sur ce, sans plus tarder, j'aimerais plus demander à votre tribunal de faire application de l'article 42-43 de la loi pénale congolaise. Et c'est ainsi que le prévenu sera condamné par meurtre avec préméditation, qui est appelé meurtre avec assassinat. Veut réaliser son forfait, il est prêt à tout. Il est prêt à tout jusqu'à ce que la concrétisation de la réalisation du forfait de son acte criminel puisse être réalisée. Et aujourd'hui, King n'est pas là. Aujourd'hui, nous avons devant vous, mais c'est King. King, nous avons le prévenu Cédric. Désolé un peu, parce que j'ai toujours eu les noms de King dans ma tête, raison pour laquelle je ne peux jamais oublier ces noms. Mais l'infraction de l'assassinat est punie par les codes pénal au niveau de l'article 44 et 45 du code pénal. Cette disposition, je vais laisser les confrères nous lire cette disposition. Comme ça, je vais essayer un peu de décortiquer cela. L'article 44 du code pénal.
pour démontrer au tribunal qu'il y a eu assassinat avec préméditation. Et la mort est qualifiée meurtre. Le meurtre commis avec préméditation est qualifié d'assassinat. Ils sont punis de mort. Oui, monsieur le président, nous sommes partis civils. Au-delà de ça, King, on savait que King était un gardien. Il avait de bonnes relations dans les quartiers. King visait un jour être gardien dans des plus grandes équipes, telles que Real de Madrid. Nous pouvons dire que la RDC a perdu un citoyen qui pouvait porter un plus dans ce pays. Mais chose grave, la carrière de ce monsieur a été coupée suite à la méchanceté ou l'animosité de la part du prévenu Cédric vis-à-vis de M. King. Si King était aujourd'hui, on pouvait le voir ou soit être juge comme vous, ou soit être un grand homme. Nul ne peut ôter la vie d'un individu, ce qui a été fait par les prévenus Cédric. Malgré les prévenus, nous dit tantôt, il ne connaît pas. Mais au-delà de ça, il fait des aveux tacites. Ces dépositions nous confirment bel et bien, il est conscient d'avoir perforé la gorge de M. King. Je me laisse compléter par mes confrères. Oui, oh. Mais vous n'avez pas disposé, maître. Parti civil. Oui, votre honneur, nous demandons un montant équivalent de 100 000 dollars. Donc, Cédric a été en train de voir votre vice-tribunal dans une procédure de flagrance. Conformément à l'ordonnance numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. En effet, monsieur le président, à date du 17 août 2024, aux environs de 17 heures, le prévenu Tamboué a décidé de donner la mort à la victime Kibambe King. De fait, tel que ça nous a été relaté et confirmé par le prévenu, sont tels que la journée du 17, le prévenu avec la victime qui sont deux frères habitant une même parcelle avait connu une discussion d'abord autour de la gestion. Ainsi que le réquisitoire, voulais-je dire, du ministère public. J'aimerais d'abord commencer avec la plaidoirie de la partie civile pour recadrer un peu ce qui a été dit en donnant la version vraie de fait. En effet, la date du 17 août 2024 autour des 14h, c'est pas moi, 16h comme on l'a dit tout à l'heure, notre client M. Tamboué était en train d'attendre un de ses clients qui devrait louer dans sa petite maisonnette construite devant leur parcelle. C'est en ce moment-là que le défunt se présenta, l'empêcha à ce qu'il puisse bénéficier de ce que devrait lui donner celui qui devrait louer la maison. De cela, il y a eu une altercation parce que celui qui voulait occuper la maison, vu cela, n'a pas accepté et n'a pas voulu non plus donner son argent pour occuper le local en question.
évidemment, ça doit créer des émois. Effectivement, il y a eu échange entre M. Tambwe et le défunt. De cet échange, Tambwe, physiquement, il est handicapé, il est inapte. De son inaptitude, a fait que le défunt puisse profiter de ce défaut-là pour lui administrer des coups. Bien sûr qu'il lui a administré des coups et qu'il est tombé. Parce qu'il n'a qu'un seul jambe, et qu'une seule jambe, voulais-je dire. Voulant se relever, parce que c'est un homme, le défunt a voulu s'échapper croyant qu'il allait l'assommer avec ce béquille. Et pourtant, ce n'en était pas le cas. C'est en voulant s'enfuir du représailles de M. Tambwe que le défunt tomba en se cognant au béton qui était quelque part à l'entrée. Nous savons que la masse n'a toujours pas d'âme. Hein, laissez-nous faire quand même notre travail. Monsieur le Président, de ce coup-là, comme il vous a bien expliqué, mais le défunt s'est relevé. Quand il s'est relevé, lui est entré paisiblement dans la parcelle parce que son intention était d'initier une action en justice pour menace lui proférée par le défunt. Ce qui s'en est suivi, il ne connaît pas. Je suis en train de suivre le ministère public qui tend la version du couteau pour évoquer le béquille. J'aimerais prendre le béquille et voir à quel niveau. C'est infondé, monsieur le président. C'est infondé. Parce que, en voyant, je vois même l'Assemblée qui criait par moment, ne sait pas crier parce que ce béquille ne peut pas. Au tribunal. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci beaucoup, monsieur le président. J'étais tout le temps de faire allusion à l'Assemblée. Je le dis, monsieur le président. Je le dis. Alors, j'étais en train de dire, ce béquille-là, en le voyant, ne peut plus jamais perforer le cou de défunt. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas de l'existence, peut-être que nous sommes contre la famille du défunt, qu'on sort non, mais nous aimerions que les choses soient faites d'une manière quand même claire. S'il a tué, s'il a porté la mort, le tribunal va le condamner. Mais s'il ne l'a pas fait, il faut que le ministère public qui l'a amené jusqu'à ce stade puisse vous faire voir, puisse vous prouver, vous le tribunal, qu'effectivement, Tambwe a apporté la mort par son intention de vouloir l'apporter. Alors, ça je voulais recadrer le dire du ministère public parce qu'il a, évoqué. Il a évoqué un point où il dit que M. Tambwe préméditait son forfait. Et si le ministère public n'a pas suivi la haine, je ne sais même pas comment qualifier cela, de quelques renseignants qui vous ont dit en amont que nous ne nous entendons pas avec M. Tambwe, nous ne l'aimons pas, tout le quartier ne l'aime pas, M. le Président, même les démons ont quand même les gens qui l'aiment. Comment tout le quartier peut haïr quelqu'un? Haïr quelqu'un? C'est bizarre et c'est compliqué. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la sécurité, monsieur le président. Poursuivez, poursuivez. Oui. Alors, déjà avec cette intention-là, avec le fait que le monsieur est haï de tout le monde, pensez que quelqu'un peut venir témoigner en bien de ce monsieur. Je ne crois pas. Voilà, monsieur le président, nous avons voulu regarder sur le fait. Je laisserai la parole à mon estimé confrère si vous pouvez compléter sur le point de droit. Merci. Monsieur l'organe de la loi, nous avons suivi avec attention les solutions qui venaient d'avoir lieu tout à l'heure. Mais j'aimerais rencontrer respectivement le ministère public est dans son réquisitoire et la prétendue partie civile dans sa demande relative aux intérêts civils. Je commence par la partie civile.
En réalité, je vois deux dames, mais il n'y a qu'une qui s'est constituée en réalité. Monsieur le Président, nous l'avons tous constaté que la partie civile ne connaît même pas pourquoi elle est au procès. Et j'ai aimé la réaction du tribunal qui a eu à la recadrer à maintes fois parce que ne connaissant pas ce qu'elle doit venir faire dans un procès dit pénal. Ici, parce que l'audience a aussi un caractère pédagogique, la partie civile vient démontrer les préjudices subis et effectivement solliciter les dommages et intérêts. Par rapport au ministère public, le ministère public, je ne sais pas d'où il a tiré les allégations qu'il a eu avancées, mais nous voulons les recadrer dans quelques points ci-après. Il vous a dit, s'agissant de... Je ne vais pas revenir à l'élément légal. Je vais m'atteler sur l'élément matériel et l'élément intentionnel. S'agissant de l'élément matériel, Monsieur le Président, distingué membre de la composition, nous avons tous suivi avec intérêt l'instruction. On ne sait pas d'où est-ce que le ministère public a tiré l'argumentaire selon lequel l'élément matériel serait établi. Ça, nous ne savons pas. Parce que tantôt, il vous a dit que l'acte ou le moyen utilisé, ça serait le coup de couteau. Tantôt, il vous dit que les prévenus seraient passés aux aveux en disant qu'il a usé de ses béquilles pour transpercer le cou du défunt. Mais Monsieur le Président, distingué membre de la composition, vous êtes un tribunal de droit écrit, ça nous l'avons toujours dit, et vous êtes un juge pénal. Vous allez fonder votre estime de conviction sur ces allégations hypothétiques? Non, on doit vous dire la nature du coup qui aurait entraîné la mort. Mais nous l'avons tous suivi. Est-ce parce que le ministère public vous a dit que les différents témoins et renseignants qui sont passés par devant votre guise et tribunal auraient dit que voyant l'état de la blessure, ça doit être le couteau. Mais vous jugez le droit écrit, vous allez fonder votre intime conviction sur des allégations aussi hypothétiques et non prouvées. Nous aurions aimé au besoin que ne serait-ce que le médecin légiste vous dise que voilà la plaie telle que diagnostiquée a été l'objet d'un couteau. Nous aurions aimé ça. Mais le ministère public, organe poursuivant, il n'est pas arrivé à démontrer cela. Il vous dit non. Il se serait fondé sur les PV dressés devant l'OPJ et dans son office. Mais même par rapport à ces PV, Monsieur le Président, la jurisprudence est abondante. Vous juge, vous n'allez fonder votre intime conviction que par rapport à l'audition qui a été faite devant vous. Encore que s'il y avait, c'est le conditionnel, s'il y avait des aveux, pour que ces aveux-là soient retenus par vous, ils devaient être recevables et non fondés. Vous direz pourquoi? C'est parce que l'élément matériel fait défaut. Et même l'élément intentionnel. Partant, vous allez acquitter le prévenu et le renvoyer de fin de toute poursuite judiciaire sans frais. Vous direz les dommages et intérêts, la demande relative aux dommages et intérêts recevables, mais également non fondés. Vous mettrez les frais de justice à charge de la prétendue partie civile. Ce faisant, vous aurez fait œuvre utile, nous avons dit. En dernier, la parole au prévenu. Tambobo de Sédic. La République, la réquisitoire d'Aïe, à Saint-Nabiso était, à Maïman Soyo Sali, Bissot tribunal, tout condamné à la peine capitale, à la peine de mort. Sikoyo, s'il vous plaît.
parti civil, doit se constituer à Madame Kaumbu Kegwambe, Nekoya King, à se constituer parti civil. À l'objet qui préjudicie moralement la loi de Gomaye, et à mon assigné la Bissot, tout condamné au foot de dommages et intérêts, il y a ordre équivalent à 100 000 dollars américains. L'avocat n'a pas payé Zuma Loba. La plaidoirie n'a pas. Bango, la signe n'a pas été acquitté, tout y caillé, pour l'infraction au ministère public à Foudelio, les a été habité. Tribunal a payé sur Maloba en dernier. Il y a aussi une ligne dans le tribunal. Tout le monde a été. Il était un abonné. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur le greffier, monsieur le greffier veut en tant qu'ayant en dernier la parole, le prévenu Tambo Bongo Sédi clame son innocence et sollicite ceci, le tribunal pour le débat va se retirer momentanément pour délibérer et revenir pour prononcer son jugement. L'audience est suspendue. Le tribunal revient pour prononcer son jugement. Le prononcé de ce jugement sera fait sur dispositif. Jugement rendu sous RP 30917. Dispositif. Par ces motifs, le tribunal statua publiquement et contradictoirement à l'égard du prévenu Tambwe Bondo Cédric et à l'égard de la partie civile Kaumbu Kibambe. Vu la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, vu le code de procédure pénale, vu le code pénal congolais, en ses articles 43 et 45, vu l'ordonnance loi numéro 78/001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, le ministère public entendu dans ses réquisitoires dit établi en fait comme en droit l'infraction d'assassinat mise à charge du prévenu Tambwe Bondo Cédric. En conséquence, l'en condamne à la peine de mort. Irrécevable et fondé. Plus civile, Kaumbu Kibambe. En conséquence,
condamne les prisonniers Congo Bondo Sédic au paiement de l'équivalent en francs congolais de la somme de 50 000 $ américains à titre de dommages et intérêts pour tous les préjudices confondus à la partie civile Kaombo Kibambe. Ordonne l'arrestation immédiate du prévenu Tambwe Bondo Sédic. Le condamne au frais de la présente instance, récupérable au centre de Kinshasa Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, à son audience publique à laquelle ont siégé les magistrats. Sangou Kata Kaenga, président de chambre. Amissi Bongongo et Kabe Mbakatai, juge, avec le concours du ministère public Kataouli et l'assistance de Kevin Mupila, préfet du siège. Eh, papa, au coup d'un dîner, chanté. Au coup d'un dîner. Restant en rôle, l'audience est levée. Ah, on va gagner ça, l'eau est côté. Moi-même, quand j'avais appris ça, je me suis dit non, je dois me lever parce que c'est mon quartier, ce sont mes électeurs. Et devant insister à ce que l'audience soit publique ou que ça soit une leçon aux autres. Donc, ça doit enseigner les autres à ne pas oser à faire des choses pareilles. Parce que c'est seul Dieu qui donne la vie et c'est seul Dieu qui a ce pouvoir-là de ôter la vie. Personne sur cette terre n'a le pouvoir de ôter la vie à une autre personne. Native de la commune mère de Kinshasa. Déjà depuis ma période de campagne, j'étais en train de
de taper les points sur l'insécurité. Nous sommes tout le temps en train de parler des Kuluna, des Kuluna, des Kuluna. Mais je pense que nous avons des vrais Kuluna dans nos maisons. Nous avons des Kuluna dans nos maisons. Par exemple, cet assassin. C'est un enfant de la maison. Ce n'est pas qu'il dort dans la rue, il dort au marché, non. Il a sa maison, leur maison est connue, sa maman, moi personnellement je connais sa maman, on connaît ses frères et tout ça. Mais c'est un Kuluna tout fait. Alors, sur ces, nous qui avons été élus par la population, nous allons y mettre. Nous allons travailler dur, nous allons vraiment travailler ensemble avec la sécurité, ensemble avec la police, pour essayer de trouver des moyens comment éradiquer à cette situation, non seulement de Kuluna, de vandalisme et d'insécurité dans notre commune, parce que nous en avons assez. Honorable, une question. La mesure de grâce a été accordée, mais on n'accorde pas la mesure de grâce aux criminels. Si cela était comme ça, s'il a accordé des mesures de grâce aux criminels, peut-être, quelque part, ça n'a pas été prouvé qu'ils étaient des criminels. Vous voyez, parce qu'une crime peut être établi, mais la vraie victime, le vrai assassin n'est pas connu. Et on arrête ceux-là qui étaient autour. Alors, par rapport peut-être au jugement, par rapport à tout ça, en fait, moi, je n'ai pas fait le droit, mais je me dis, par rapport peut-être au fait que le ministre a été devant lui, par rapport au jugement, il s'est dit non, je peux gracieux cela et les autres vont rester. Mais merci. Une personne comme Cédric, avec les flagrances, il ne peut pas être gracieux. Et il y a des prisonniers de ce genre comme Cédric qui sont en train de croupir en prison et ils vont mourir là. Ils vont mourir merci. Parce que là, on l'a condamné à mort. Il doit subir sa peine. Merci, honorable. Son Excellence, la Bigoya, vous êtes aussi, si vous voulez. C'est quand même poussé rapide. Ouais, nous sommes vraiment très contents. Et la séquence vient d'être rendue. Nous avons suivi les procès. Nous sommes satisfaits. Nous encourageons la justice. Nous encourageons la justice par rapport à ce qu'on vient de dire les droits. Et je crois que les actes du banditisme et un suivi qui est la commune que nous avons déclarée. Et grâce à cette audience publique, nous remercions aussi le gouvernement de la commune de Kinshasa, le fait que l'audience était ouverte pour tous. Et je crois que c'est une belle initiative qui va décourager les actes inciviques et du banditisme. Alors, si c'est pour la famille, nous souhaitons un message de condoléances à toute la famille de ministre disparu, parce que c'était un jeune qui avait de l'avenir. On ne sait pas qui peut-être allait produire pour le pays en perspective. Alors, c'est le biais qui donne la vie et c'est le biais qui retire. Alors, nous, les humains, les inciviques, on ne peut pas retirer une vie humaine. Alors, les ayants droit, l'Asbel, les ayants droit, l'Asbel qui regorge les natifs, les résidents et les non-résidents et vendent à la police de Kinshasa, nous voulons plus, notre municipalité puisse aller de l'avant. Ces genres de vagues, en tout cas les antivaleurs, nous les condamnons jusqu'à le mois le premier, à la dernière énergie. Merci. Merci madame pour la question que vous me posez. D'entrée des jeux, je dois dire que mon cœur est plein de joie. Plein de joie après avoir suivi ce procès et le verdict qui est tombé. La personne a été en qualité poursuivie. Hein? Monsieur Tamwe Cédric, l'auteur de l'assassinat sous la personne de Monsieur King, vient d'être condamné à la peine capitale et au paiement des dommages et intérêts en faveur de la partie civile. Donc c'est un sentiment de joie à plus d'un titre.
D'abord parce que cela s'inscrit dans la droite ligne de la lutte contre l'insécurité, qui est un des piliers du programme du chef de l'État et même de son Excellence M. Daniel Bouma, le gouverneur de la ville de Kinshasa. Même nous, quand nous avons accédé à la tête de cette commune, la mission qui nous avait été confiée, c'était de lutter contre l'insécurité et de lutter contre l'insécurité. Là, nous venons de donner la preuve que nous sommes derrière ces criminels, c'est hors la loi qui cause de l'insécurité dans notre commune. Et nous avons voulu organiser ce procès. Vous savez, les faits ont été commis le samedi. C'était le week-end vers 17h. Mais déjà le dimanche, nous étions en contact avec les responsables du parquet de grande instance de Kinshasa Gombe parce que nous voulions vraiment obtenir la tenue de ce procès ici chez nous, au lieu que cela se tienne au siège du tribunal là-bas. Donc, merci beaucoup au tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe et ainsi qu'au parquet de grande instance. Je salue vraiment ces autorités judiciaires. Je salue la presse qui nous a accompagnés. Depuis les avant-midi jusqu'à maintenant, vous êtes là parce que vous accordez une importance à la lutte que nous menons contre l'insécurité. Si nous avons voulu que ce procès se tienne ici, dans notre commune, c'est juste pour donner un signal à la jeunesse de notre commune, surtout aux jeunes qui se livrent encore jusque-là aux activités tendant à causer de l'insécurité. C'est un message fort que nous leur lançons, que nous n'allons pas baisser les bras. Qu'ils abandonnent ces mauvaises pratiques. Vous savez, il est dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des jeunes qui sont bons par nature, mais qui sont parfois influencés par le hors-la-loi. Quand nous leur lançons cet appel, qu'ils abandonnent cette voie-là, mais nous, et tous les services de sécurité, nous n'allons pas baisser les bras. Nous serons toujours derrière eux pour les décourager, pour les traquer, jusqu'à ce qu'ils vont abandonner ces mauvaises pratiques. Mais nous n'allons pas dévoiler ici toutes les stratégies que nous utilisons, mais nous pouvons en donner une ou deux. D'abord ici chez nous, à la commune de Kinshasa, lorsqu'on attrape, on interpelle un Kuluna, il n'y a pas d'amende. Il n'y a pas d'amende et ça c'est connu. Directement, après les 48 heures accordées à l'OPJ, on transfère le Kuluna au parquet. Ça, c'est de un. De deux, il y a des patrouilles qui sont organisées à tout moment. Et d'ailleurs, nous sommes en train de collaborer même avec le commissariat provincial de la police, avec l'équipe qui est au stade de Martyr. Nous sommes en train de collaborer avec eux pour lutter contre cette insécurité. Nomini eloko liboso na koloba ke motema na ngai etondi na nsai nsima ya kolanda proces oyo pe jugement oyo ewuti kobima oyo bakondamne monsieur Tambo et Cédric na peine capitale, c'est-à-dire etumbu oyo ya liwa bakonzi na biso ya justice bazwi etumbu wana ifo baboma ye ndenge mobeko elobi. C'est vrai, akoki kokende na appel eza lobalwa ya mboka na biso epesi, mais déjà un signal fort yango nazokosenga na bilenge nyonso ya komi na Kinshasa bayoka makambo ewuti kosalema, batika bizaleli oyo ya mabe ya koyiba, ya kozokisa bato, ya koboma bato. Biso lokola bakambi ya etuka oyo ya Kinshasa, la commune ya Kinshasa, tokolemba te na baservice na biso nyonso kozala nsima na bango kino bango bakotika bizaleli ya mabe wana. Biso tokolemba te, tokozala wana ndenge tata mokonzi ya mboka asengaki biso pe mokambi engumba na biso Daniel Bouma bazokolute contre insécurité. Biso toza katikati na programme na bango, na vision na bango po tolute pe contre